Salut à tous et bienvenue sur le plateau de 360. Nous avons aujourd'hui avec nous trois invités. Monsieur Teddy. Bonjour. Monsieur Gitrou. Salut. Et Yann, alias X. Salut. 360, vous avez bien entendu, ça ressemble au stud, on est au même endroit, mais l'émission est différente. Le concept du stud, c'est de prendre le temps avec des invités, de parler d'eux, de leur parcours, de leurs projets, etc. Dans 360, on est plus autour de thématiques, c'est-à-dire que l'idée de l'émission, c'est d'avoir des gens avec des profils différents. Donc Teddy, qui a un profil business, qui est comment on appelle ça ? Chef produit. Chef produit, merci, chez Studio Sport. Gitrou, qui est pilote pro. Mm-hmm. Un des meilleurs pilotes de freestyle mondiaux aussi, pour ne pas dire le meilleur. C'est mon avis, hein, mais j'ai le droit. Donc, il travaille chez House of FPV. Exactement. Et Yann, qui est pilote aussi et vidéaste, donc a cette double casquette aussi. Voilà, donc l'idée, c'est de jeter des thématiques et puis d'avoir un point de vue croisé, un point de vue à 360 sur ces thématiques avec ses regards différents. On va commencer tout de suite. La première thématique dont je voulais parler, c'est quel est le matériel qui vous a le plus marqué dans le FPV ces derniers mois ? Qui veut se lancer ? Qui a sa petite idée déjà ? T'es dit, je sens une petite lumière dans tes yeux. Ces derniers mois, ça va être large, mais l'O3, GIR O3 a quand même amené quelque chose de sympa dans le FPV. Quoi. Ouais. Donc, avoir une caméra, un émetteur qui peut stabiliser, enregistrer en 4K, etc. Si on n'est pas pro, on est déjà content d'avoir des images comme ça, direct sorties du drone, sans être obligé d'emmener une GoPro. Quoi. Ouais, sans compter la pertinence du lien, quoi, qui est hyper fiable. Le lien est absolument flippant. Comment tu peux aller loin? Oui. C'est Zerpo qui m'en parlait, que tu mettais des GPS parce que tu perdais sur des machines avec le O3. Ouais. Sur du 2.5. Ouais. C'est fou. Et puis le fait que c'est vraiment mis un terme à l'utilisation de, par exemple, la GoPro Session, ça y est, c'est plus personne. Fini. C'est fini. C'est une relique maintenant, voilà. C'est collector, j'en ai deux, je les garde religieusement, elles sont sur mon bureau, j'y touche pas, je faisais partie de cette époque. Les GoPro maintenant c'est clairement terminé, si t'as pas la dernière et que tu t'engages pas à prendre tout le poids d'une GoPro, c'est O3 et c'est fini, basta, t'enregistres, tu vois là, super loin. Ça a été décisif, je pense, aussi. Ah ouais, c'est juste fou. Justement, comme tu disais, j'ai deux 2.5, moi, un petit ciné-whoop. Ouais. Je vole parfois dans un endroit où il y a une grande plaine et juste à côté, en contrebas, une forêt. Et je vole sur la plaine, machin. Je me dis, tiens, je vais aller faire un petit tour dans la forêt. Je descends, j'avance. Je me dis, là, je vais perdre la vidéo. Non, toujours pas. Je suis allé tellement loin qu'il a fallu pour me retrouver que je monte au-dessus des arbres. Tu vois, je me suis dit, bon, je vais mettre des GPS, c'est bon, quoi. C'est ouf quand même d'être obligé de mettre des GPS sur des petites machines tellement pas loin. Quoi. Et tu as tout l'écosystème autour, du coup, ça devient hyper simple de monter une machine. Ouais. Tu as un Air Unit, il te faut la radio DJI, les goggles, et ta machine, c'est que des connecteurs. La radio DJI, moi, je ne suis pas un grand fan, mais... Ouais, mais tu vois, ça permet quand même d'avoir une machine ultra simple à monter, avec un écosystème hyper cohérent, et voilà, t'as une machine toute prête, avec très peu de soudure, pour ceux qui sont un peu allergiques à ça. Voilà, t'as juste tes ESC, tes ESC à souder. Tu suis un tuto de comment faire fonctionner un O3, c'est tellement simple. Tu suis étape par étape, je l'active, je vais dans les ports, je mets MSP, machin. Ouais. Un coup de clic, bon, ça y est, t'as fait ton move. Même les presets. Ah oui, maintenant, oui. Tu fais un preset, t'as l'air unit. Et tu récupères l'OSD complète, Betaflight. T'as vraiment plus rien à faire. Tu fais ton tuning à l'OSD comme ça. C'est trop simple, c'est super... C'est super bien, et puis en vrai, en plus, c'est pas en mal dans le sens où du coup, ça rend pas les gens moins conscients du danger du FPV. Non, ouais. C'est juste, là, c'est cool, c'est facile, ouais. C'est cool. Ça simplifie, ça fiabilise. Exactement, ouais. Ouais, clairement. T'as un autre produit en tête, toi, Yann ? Justement, j'étais en train de réfléchir dans le FPV pur nom. J'aurais dit en termes de caméra, comment ça s'appelle ? La Blackmagic Micro Studio G2, là, c'est ça. Je trouve que ça commence à devenir super intéressant. Ouais, c'est clair. Alors, c'est pas parfait, il n'y a pas de Bluetooth, donc il faut, pour le contrôle, c'est assez compliqué et tout. Mais ça devient vraiment, vraiment cool. Ouais, parce qu'elle fait la peine plus gros que GoPro. C'est tout petit, le form factor est génial. Et il y a un mec qui a fait un kit pour les mettre en équide. Et du coup, là, ça pèse vraiment le poids d'une GoPro. Donc, il faut rajouter l'objectif. Ouais. Mais ça devient une caméra 4K RAW qui est toute petite, quoi. Ouais. On pourrait limite la mettre sur un 6 pouces ou un 7 pouces et
sans problème. Et je trouve ça vraiment cool. Ça marcherait bien. Ouais. Okay. Et tu as une batterie en interne Alors, soit tu mets, je crois que c'est des LPE 6, ou enfin les trucs de Canon là. Okay. Sinon, tu peux l'alimenter. Directement, tu mets un bec et puis ça, c'est bien quoi. Okay. Donc, alors par contre, il n'y a pas de port SD. Il faut mettre forcément un SSD. C'est le seul truc qui est. Un SSD il ouais, faut forcément mettre un SSD. Sous quelle forme? Après, n'importe quel SSD. C'est un USB-C qui sort et donc tu mets un T7 et. Ouais, c'est ça. Okay. Après, il y en a qui mettent là, le Samstick Samsung, je sais pas quoi, c'est une espèce de micro-SSD au format USB, quoi, en clé USB. Ouais. Et apparemment, ça marche très bien. Okay. Et il y a un gyro aussi dedans, comme sur la. Voilà, ah oui, donc tu peux stabiliser. Drag and drop, gyro flow, pouf. C'est ça, exactement. Oh là là, c'est bon ça. Donc du coup, là, les Blackmagic Naked, c'est peut-être bientôt la fin, quoi. C'est cool, ouais. Carrément. Mais je suis content qu'il y ait ce truc-là où maintenant tous les producteurs de caméras, donc que ce soit Sony, les gros en fait, producteurs de caméras, Sony, Red, Blackmagic, ont compris qu'on avait besoin de gyrodata et maintenant ça vient d'origine avec les caméras. Mmh. On vous donne les gyrodata, comme ça vous pouvez stab en post-prod. C'est ça, c'est cool. Putain, c'est ouf. Que le FPV ait été entendu. Jusqu'au créateur des caméras, je trouve ça fabuleux. Quoi. Ils ont même super conscience de ça, parce que Sony ou les gros fournisseurs comme ça, ils nous demandent même si on peut faire notre com avec un cinélifteur ou un truc comme ça. Ah ouais, tu vois, c'est énorme. Le dernier boîtier, tu regarderas, même les derniers Sony ou Fujifilm, je sais plus, où ils avaient fait une com avec un cinélifteur. Et ils nous avaient dit, on peut vous filer un boîtier, est-ce que vous pouvez faire des plans avec un cinélifteur et tout. Ils ont encore des EIS par contre dessus. Les capteurs stabilisés. Ils n'ont pas compris. Ouais, après, c'est vrai que c'était pour la sortie du R5C de chez Canon. Je sais qu'ils avaient fait une grosse partie au cinélifteur aussi. Je crois que c'était ça. Ouais. Je crois que c'était ça. On voyait le mec sur circuit et tout. Ils avaient vraiment communiqué là-dessus. Ah, ouais. Parce que sur le C, ils avaient retiré l'Ibis. Exactement. C'est pas l'Ibis. C'est ça. C'est un capteur qui est solide. Et ça, exactement. Qui ne bouge pas. Trop bien. Bon, cool. On attend la suite. Est-ce que vous avez entendu parler d'OpenHD? Moi non, tout le monde a parlé tout en off, mais... Alors j'ai dû voir ça dans un commentaire de Culture FPV, je crois, ce qu'on discutait avec, je me souviens plus comment il s'appelle, mais qui râlait justement par rapport à la sortie des nouvelles lunettes, et du coup il parlait un peu des différents, des différentes technologies et des différentes marques sur la HD en FPV, et il parlait justement du OpenHD. Donc nouveau système entièrement open source. Qui se développe pas mal, qui commence à avoir une connexion à peu près stable. Alors, on n'est pas au niveau de DJI encore, mais on commence à avoir une connexion un peu stable, 720p, un peu de range et tout ça. Alors, encore une fois, ce n'est pas au niveau du O3, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des trucs qui arrivent qui permettent d'avoir des alternatives, parce que se faire un VTX, je crois que tu en as pour 70 balles, tu vois. Sur un VTX, ouais. Ça va. Ah, 70 ou 80 balles, c'est très peu cher. Même le hardware. Les premiers hardware commencent à sortir et tout ça. C'est pas basé sur un hardware existant Alors au départ, c'était sur du hardware existant et j'ai vu des cartes passer. Alors je suis pas un spécialiste non plus. Je comptais sur vous. Je suis pas un spécialiste non plus. Donc voilà, mais j'ai vu du hardware passer là dans des postes comme ça et je me suis dit, putain, c'est chouette, ça commence à arriver. On peut imaginer, je sais pas si vous avez vu, il y a une cam, alors qui n'est pas une cam de FPV, mais il y a une cam open source qui s'appelle. Je ne sais plus, je vous mettrai le lien en description, que tu peux entièrement monter toi-même, configurer toi-même avec un Raspberry Pi 5, caméra HD, etc. Et tu peux enregistrer en DNG 12 bits, quoi. Ah ouais? Ouais. Ah et oui, tu la fabriques, tu peux fabriquer un truc comme ça de la forme que tu veux, quoi. Donc, je trouve ça vachement intéressant qu'il y ait des trucs comme ça open source qui arrivent et qui offrent des possibilités que la commune va pouvoir s'approprier et en faire un petit peu ce qu'on veut, quoi. Et pourquoi pas imaginer ce OpenHD avec d'autres caméras dessus, faire des systèmes pour faire un retour vidéo, de câble de ciné, tu vois, ce genre de choses, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Ouais, c'est intéressant, ça. Quand tu m'en as parlé tout à l'heure, j'ai regardé vite fait la vidéo sur leur site, et le mec, il avait un casque DJI FPV, Google V2 ou V1. Je sais pas avec Et du coup, c'est un VRX qui vient... Ouais, probablement. Ouais, j'ai pas regardé VRX, ce côté-là, mais ouais. En fait, il se base quand même pour les lunettes sur un truc existant. Mais le reste, il commence à sortir des bords et tout. Oui, donc c'est juste VRX, VTX qui font en open source. Et, c'est ça. Donc, c'est à garder dans un coin de la tête. Moi, dès que je peux... En fait, c'était très compliqué jusqu'à présent parce qu'il fallait flasher ça à la méthode de Raspberry Pi, tu vois, se connecter en SSH, tu vois, tu veux la misère. Bon, on est assez geek pour le faire, mais c'est chiant, quoi. Mais ça commence à se simplifier, je pense, d'ici quelques temps, on aura des systèmes d'installeurs et tout ça. Et là, ça commencera vraiment à être intéressant de vraiment regarder ce que c'est, quoi. Ouais. Non, à garder ça dans un coin de nos têtes. Prochain sujet, la montée du freestyle bandeau. Ça revient.
On a eu une énorme période il y a quelques années où le bandeau, c'était le Graal. Ça a disparu à peu près avec l'arrivée de la cinématique, si je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. C'était à peu près synchronisé, en tout cas. Ouais. Et c'est en train de revenir en force avec des communs qui sont hyper motivés. Et puis, des mecs qui sont forts, en plus. Hein. J'en ai vu quelques-uns. J'étais « waouh ». Ils sont très, très forts. Ouais. Le niveau monte à fond. J'aimerais bien qu'on discute, d'après vous, d'où ça vient. Est-ce que c'est simplement comme les velours pour les pantalons où ça disparaît puis ça revient, ou est-ce qu'il y a un vrai truc de motivation par ce qu'on voit sur le net, etc. Est-ce que c'est pas un peu un après-Covid, un truc comme ça, où les gens... Enfin, moi, je le vois, je fais de la moto dans les chemins, et en fait, c'est typiquement ça. En fait, le marché de la moto tout-terrain a explosé à cause de ça. Ah, oui. Tout le monde avait envie d'aventure, de sortir après le Covid. Alors, est-ce que c'est pas un truc comme ça où les gens ont envie de se retrouver dehors? Enfin, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas eu un coup de boost comme ça où les gens ont envie de se retrouver? Et du coup, bah, ça perdure un peu. Et en effet, comme tu dis, les mecs sont énervés. Et du coup, bah, ça pousse tout le monde à faire pareil, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, est-ce que c'est pas un après-Covid? Je pense que ce serait peut-être juste cyclique, en fait. C'est un peu comme la mode. Ouais, quoi. Comme je pense la que ça mode, tourne ouais. un peu. Parce que je sais qu'il y a peut-être 2-3 ans, il y a eu un gros effet de mode, justement, dans le audiovisuel sur les FPV. On en voulait vraiment partout dans la pub, dans le clip. Ouais, là, j'ai l'impression que ça... Bah, peut-être moins sur les grosses prods où voilà, ils veulent vraiment des trucs... Alors du coup, même, moi, je sais qu'on a beaucoup moins de demandes. C'est un peu redescendu. C'est un peu calmé, ouais. Ouais, donc je pense que c'est des histoires de mode, je pense. Et puis, je pense que... Il y a peut-être des vidéos qui sortent sur le net, comme la dernière de Red Bull, dont on va peut-être parler plus tard, qui font que les gens découvrent le FPV. Il y a peut-être aussi un effet comme ça où, je sais pas. Où ça recrée des hypes, voilà, ouais, ça relance un peu la machine. Peut-être que les mecs s'en mettent dedans. Je dis, oh, c'est incroyable, on va peut-être tester, on va s'y mettre. Et puis, ouais. Moi, j'avoue, j'ai un avis un peu plus différent des vôtres. Je pense que c'est plutôt une combinaison de O3 plus Reel Insta plus... Plus genre 2-3 pilotes qui sont chauds, notamment, moi, je pense que Pablo Flor a mis un coup de pied de motivation pour tout le monde. C'est clair. Ça réunit des gens qui ont bien fait de se réunir autour du volant Bendo. Et en fait, c'est simple, hein, une commu qui donne envie à certains, ça en crée un autre à un autre endroit, etc. Et du coup, je pense que le fait que nos liens vidéo soient bien meilleurs, tu peux faire des lignes de 40 secondes où tu fais un kilomètre dans un bendo, c'est hyper impressionnant. En vidéo, ça marche grave. Ouais. Et du coup, ça motive d'autres à le faire. Et ça, je pense que la hype s'est créée de quelque chose, que c'est pas juste un cycle qui est apparu un peu de nulle part. Sans toute cette amélioration des liens vidéo, on n'aurait jamais eu ce truc-là qui aurait... Enfin, je pense pas qu'on aurait eu ce truc-là qui pop comme ça, notamment sur Insta, moi, quand je vois, ou même un truc débile, mon père, il m'envoie des shorts YouTube, je crois, ça s'appelle comme ça. Ouais. Et les mecs, en fait, ils font 3 vidéos où ils passent dans 4 trous énormes, et ils tapent 200K sur YouTube. Et en fait, c'est toute cette nouvelle mode du vertical, du bendo et tout, qui a fait que ça c'est devenu mainstream. Et il y a aussi, comme tu as dit, peut-être les gens sont un peu lassés du cinématique classique. Moi, on se fait un peu chier, quoi. Et puis surtout qu'on a compris. Ça y est, maintenant, les gens savent, par exemple, dans le milieu professionnel, les réals commencent à savoir tourner avec. Ils commencent à comprendre que si on tourne sur le côté, c'est parce que le drone tourne sur le côté. Exactement. Toutes les mécaniques, ils commencent à comprendre. Et c'est un truc qui est assez général. Et donc, il y a peut-être un retour aux sources de « Ok, maintenant, tout le monde a compris comment ça fonctionnait. C'est quoi les nouvelles limites, quoi ?» Ouais. Voilà. Oui, et puis comme on disait tout à l'heure avec l'O3, encore une fois, dans le bandeau, tu vas pas éclater ta GoPro, quoi. Oui, en plus, donc, c'est trop bien. Donc, en effet, t'as une facilité de retourner dans les bandeaux sans tout exploser. Ce que je trouve super, c'est que j'ai l'impression qu'on... Tu vois, à l'époque où on volait en analogique, il y avait une espèce de communion sur les spots. C'était un moment de partage où on mettait tous nos retours, on regardait les pilotes voler, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression que ce retour au bandeau recrée des communautés comme ça de quelques pilotes qui se défient les uns les autres, tu vois ce que fait Mika, etc. Ils mettent un écran, tu vois, c'est vachement chouette, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on revient à cet état d'esprit, à ce frisson que t'as quand t'as des gens qui te regardent ou quand tu regardes le mec qui fait un truc de fou, tu retrouves ce frisson-là et ça recrée une dynamique que je trouve géniale, quoi. Une mini concurrence, les gars ont envie de se pousser les uns les autres et puis c'est bon. Mais du coup, comment ils font pour partager le lien vidéo? Ils ont des V2 avec un USB-C. Ils ont deux systèmes, en fait. Ils ont un système pour Vista, tout ça, où ils sont sur DigiView, sur tablette. Et pour ceux qui sont en O3, c'est avec les Google 2.
DJI Fly. Avec les Google Zoo 3, oui. Oui, c'est ça. DJI Fly directement. Ouais. Ok, donc tu peux partager à tout le monde comme ça. Ouais. Putain, donc cool. Ils ont une petite tablette à 110 balles, 120 balles, tu vois, qu'ils mettent sur un pied. Ouais. Et puis tu as le pilote qui est assis et qui vole devant la tablette et tu as tous les gars derrière qui hurlent à chaque fois qu'il y a, qu'il y a un. Tu vois, c'est génial. On retrouve vraiment Ils font pas de bruit quand c'est juste énorme. C'est ça. Ils ont du mal à avaler le truc. On retrouve, je trouve, ce truc qu'on avait un peu perdu avec l'arrivée de DJI sur le marché, le partage de ces moments-là, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Le fait d'être en communauté sur un spot, c'est pas juste tu fais ta lipo, personne n'a vu, tu rentres. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, t'as le bandeau, je trouve que c'est parfait pour ça, parce que quand tu passes un gap, enfin, quand vous passez un gap, quand tu passes un gap de ouf, et que les gens se mettent à crier, c'est quand même un truc particulier, quoi. Je trouvais ça hyper dommage qu'on ait perdu ça et qu'on le vive un peu chacun dans son coin, quoi. C'est ça. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a pas mal de choses qui se sont passées en frame ces temps-ci. Cette dernière année et demie, on a vu un petit peu plein de frames open source qui sont arrivés sur le marché, avec des gens qui découpent en France, qui arrivent à garder des prix relativement raisonnables et puis à sortir des frames un peu perso. Et là, sur le marché est arrivé il y a un mois, Speedybee qui nous sort une frame avec de l'alu à 35 balles, quoi. Oh, j'ai pas vu ça. Troué le cul, quoi. C'est-à-dire que une frame qui nous coûterait à nous à faire construire en Chine, voire plus, avec de la découpe CNC et tout, ils la vendent en prix de vente à 35-40 balles, quoi, au prix d'une source One, quoi. Est-ce qu'ils n'auraient pas, avec toute leur FC, leur machin qu'ils ont réussi à faire, sans doute produit par d'autres gens, ils ont peut-être acheté leur propre CNC et du coup, ils commencent à faire local chez eux. Avec leur, du coup, ils n'ont plus que les matières premières à acheter. Ouais, peut-être. Putain, ça serait. Je sais pas, mais c'est assez dingue. Et puis, elle a pas l'air d'être débile, tu vois, la frame. Alors, sûrement, les vis, tu dois les péter rapidement. C'est là-dessus qu'ils grattent de l'argent en général. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le hardware, les machins, les trucs. Parce que le hardware est correct. Ouais. Mais quand même, c'est quand même assez hallucinant, une frame avec de l'alu. Surtout qu'ils font des trucs un peu cool, hein, Speedybee. Hein. Ils ont quelques châssis qui sont pas mal pensés. Ouais. Genre, ils avaient fait. C'est eux qui avaient fait le Master, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Où ça. T'as tout le fond de la bottom qui est en silicone et toute ta stack est posée dessus, en fait. Ouais. T'as même plus besoin de la mettre en souple. Tu peux la monter en rigide. T'as une espèce de pad en silicone qui est intégrée dans la plaque carbone, la bottom. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et elle est entièrement suspendue, du coup. Complètement amortie. Trop bien. Donc, et ils ont deux, trois idées comme ça qui sont pas... Ils sont pas mal du tout. Hein. Ah ouais, et puis ils arrivent à faire des prix qui sont quand même, même sur les stacks et tout ça, qui sont quand même assez hallucinants. Ouais, après, c'est 35 balles sur leur shop. Oui, sur leur shop, évidemment. Après, à l'import, tu vas avoir quelques frais, mais... Ouais. Oui, mais enfin, ouais, ça va rester dans le prix d'une source à peu de choses près, quoi. Ça reste fou. Donc c'est quand même assez hallucinant. Parce que 35 balles, moi, je me rappelle, c'était le prix d'une copie chinoise à l'époque. C'est ça. Donc, c'est des merdes. Ouais, c'est ça. Donc, donc si tu la prends maintenant, en fait, ça vaut grave le coup. Et puis c'est une frame qui a du coup du suivi. C'est pas une frame un peu sombre que tu sais pas, donc tu peux avoir des TPU qui vont avec, d'autres gens qui bossent sur la frame, donc tu peux avoir des petits accessoires. Franchement, c'est cool si ça peut descendre les prix des autres frames avec, parce que c'est sûr qu'il y en a qui mangent bien sur les prix des frames, donc ouais, très, très bonne nouvelle, Après, je me dis, comment ils font pour produire ça? Mais bon, ce que je vois des boîtes chinoises, j'ai l'impression qu'il y a des gros investisseurs, en fait, et qu'ils ont une espèce de mentalité, j'allais pas dire à l'américaine, parce que c'est pas le même délire, mais quelqu'un qui a un projet un peu de start-up, ils n'hésitent pas à mettre des thunes au bout pour acheter les machines qu'il faut, les trucs, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de truc comme ça en Chine qu'on n'a pas en France, tu vois. En France, demain, tu veux monter une boîte qui vend de l'électronique, t'as pas un mec qui va venir te mettre 200 000 euros sur la table pour que tu puisses le faire. Ou ça va être très, très difficile à trouver, quoi. J'ai l'impression qu'il y a ça un petit peu en Chine... Tu vois, de boum, projet, vas-y, hop, voire même peut-être l'État, j'en sais rien. Après, ils ont fait, enfin, je trouve qu'ils ont fait leur preuve, Speedybee, c'est pas comme si c'était des newbies qui arrivaient avec des idées très belles, mais jamais de conception. Ils ont fait tous les trucs pour avoir du Bluetooth leur application. C'était un produit qui est mis au point, utilisé par plein de gens, ils ont fait plein de versions, plein de produits de FC et de SC. Donc, quand ils attaquent les frames, je pense qu'il y a des gens qui sont derrière et qui peuvent assurer. Et puis, Speedybee, c'est Runcam, en fait. C'est une branche. Parce qu'ils ne communiquent pas du tout là-dessus, en fait. Je m'en suis aperçu de façon complètement anecdotique. On échangeait des mails avec Runcam. À un moment, un des retours de mail, c'était @speedybee.com ou je sais plus quoi. Enfin, tu vois, c'est quoi ce délire? Et en fait, c'est la même boîte. D'accord. Nous, le fournisseur, c'est Runcam. Donc, voilà. On commande tout chez Runcam. Donc, c'est une espèce de sous-marque. Alors, cette histoire de frame, moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'une frame est bien pour vous. C'est quoi les éléments
qui vous intéresse, que vous recherchez dans une frame, quoi. Est-ce que c'est la solidité, est-ce que c'est, j'en sais rien. Super large comme sujet. Ouais. Moi, j'avoue, en premier, c'est la maintenance. Ok. Ouais, je pense que parce que ouais. Monter un drone, c'est super cool. Monter n'importe quel frame quand c'est neuf, c'est super simple. Ouais. Mais quand tu lui as fait manger des murs, de l'herbe, etc., et qu'il faut, changer des pièces dedans, t'as pas envie de mettre les mains dedans et c'est relou. Donc je pense que en premier, moi, je dirais maintenance. En deuxième, je dirais solidité, hein, tout simplement. En troisième, ça doit être la versatilité de mettre genre n'importe quel... n'importe quoi dessus. Donc je veux mettre un O3, ça passe. Je veux mettre un HD0, ça passe. Et puis, j'ai de la place pour faire tout ce que je veux. Si mon setup, je veux complètement l'inverse, je peux. Ça, moi, avoir la possibilité de faire n'importe quoi sur ma frame, je pense que c'est vraiment important. Et puis, en dernier, bah, c'est la beauté de la frame. Okay. Mais ça compte quand même. Et ta capacité, la qualité de vol? La qualité de vol... oui, c'est vrai, putain, je suis con. C'est une partie du principe que ça volait bien. C'est un magicien. La qualité de vol, bien sûr, je pense qu'en fait, je me suis trompé, ça vient carrément en premier. Ouais. C'est le feeling en vol, c'est ce que tu vas avoir tout le temps. Donc, il faut que ça soit quand même le numéro 1. Ok. T'as d'autres éléments qui... Moi, j'aime bien quand il y a des bonnes petites astuces, tu vois, des trucs genre ton XT60 qui est fixé au châssis, qui ne se balade pas. Des petites bricoles comme ça, tu vois, je te parlais du Speedy Beat tout à l'heure avec... alors je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, nous on a volé avec, ça volait bien, mais est-ce que ça peut pas générer des vibrations d'avoir un pad en silicone qui supporte toute la stack? Mais j'aime bien quand il y a des petites idées comme ça. Par exemple, tu vois, on a testé des drones pliants, bon c'est pas une grande réussite parce que ça amène pas mal de vibrations dans le châssis et tout, mais sur le principe, j'aime bien l'idée, quoi. Ouais, pouvoir plier ton châssis pour le ranger plus facilement, parce que c'est quand même super chiant à transporter. Le coup des hélices qui étaient pliantes, je trouvais que c'était une bonne idée. Bon, encore une fois, la réalisation, elle n'est pas bonne du tout, mais je trouvais l'idée géniale. Moi, j'aime bien quand il y a des petites astuces comme ça. Ouais, quand il y a un peu de recherche, fait. Quand il y a un truc nouveau, quoi. Quand on essaie de sortir un peu du bus classique qui change rien. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que les dernières itérations de frame, il y a beaucoup de travail autour du TPU, la frame qui est là-haut, qui est la Mika Bando. A une construction assez standard, hein, c'est un bus, mais ce qui pour moi la rend un peu différente des autres, en dehors de la qualité du carbone et tout ça qui est vraiment hallucinante, c'est le travail autour des TPU. Il y a un vrai boulot autour de ça. Ils sont livrés d'origine ? Ouais, quasiment tout est livré d'origine. Alors le TPU avant, c'est un TPU à tilt fixe, donc si tu voles avec le même tilt, ouais, moi je l'ai bricolé parce que j'aime bien... les TPU qu'il y a dessus sont faits pour être à tilt fixe. Donc si tu voles au même titre que Mika, ça marche bien. Sinon, il faut réimprimer toi-même. Les pièces sont dispo. Ce que je veux dire par là, c'est quand même... ce qui fait aussi... Un des trucs qui différencie les frames maintenant, je trouve, c'est aussi beaucoup de travail autour des TPU. C'est aussi ce qui fait que cette frame est particulièrement solide. C'est évidemment la qualité du carbone, machin. Mais les conceptions des TPU font que... Maintenant, ça vient avec. Hein. De toute façon, t'as 6 mois de FPV ou 1 an de FPV, tu commences déjà à réfléchir à une imprimante 3D, je pense. Ouais. Et ouais, surtout pour le prix dérisoire que c'est maintenant, une Ender 3, je pense que t'en as pour 150 balles. Ouais. Un truc comme ça, tu imprimes du TPU avec 2-3 modes à 20 balles. Si tu veux pas te faire chier, tu prends une A1, une Bamboo Lab A1, à 300 et quelques balles. Et puis sinon, tu prends une Bamboo Lab, c'est un carbone, voilà, et puis comme ça, tu sors des beaux trucs. Ouais. Non, mais ouais, carrément, l'impression 3D, c'est simplifié, ça a simplifié le drone, donc maintenant, c'est un élément qui est obligatoire. Par exemple, la Pirate, sur la Punch, on a fait le parti pris de, ok, on met une cage en alu et après tous les accès, si tu veux mettre n'importe quel cam, c'est un mount TPU qui est disponible sur Thingiverse. C'est un truc tout petit, facile à imprimer et puis, tu mets plus, toutes les cams, au moins c'est simple, il n'y a plus de c'est du 19, du 20, du machin, non, c'est tu mets tout. Tout voilà. Si tu as un truc spécifique, tu peux le faire aussi. Voilà. Parce que mettre des cam plates, c'était trop contraignant à la fin. Enfin, ça, c'est un parti pris, de toute façon, pas de mauvaise idée. Ou alors c'est des camplates un peu universels. Voilà, où tu viens mettre un TPU à l'intérieur. Exactement. De différentes épaisseurs, mais différentes tailles. À la fin, on y retrouve cette dernière partie modulable faite en impression 3D. Et il y a des trucs que tu recherches spécifiquement sur les frames? Honnêtement, la qualité de vol et la robustesse, principalement. Après, de toute façon, pour les montages des caméras, etc., l'avant, l'arrière, avec les TPU, on arrive toujours à bricoler un truc, donc c'est pas le plus important, mais je dirais qualité de volet et robustesse. Ok.
Ça roule. Je vous propose qu'on fasse un petit jeu. Un petit jeu qu'on avait fait lors du pilote, j'allais dire, de l'émission 360, où je suis allé sur des chaînes de pilotes qui ont un peu de notoriété. J'ai pris leur premier vol. Vous aviez tous les deux fait partie de la sélection du premier épisode. Et on essaie de retrouver juste avec ça qui est le pilote. Alors, évidemment, vous n'allez pas trouver dans 99% des cas, mais ce qui m'amuse, moi, c'est de vous voir chercher, quoi. Allez, on va lancer la première vidéo. Regarde le numéro de la plaque déjà, pour la région. Géoguessard. Faut chercher un peu d'indice. Déjà, là ouais. premier abord, c'est sud. Voilà. Ouais. Les oliviers. Ouais. Est-ce qu'il y a des traits Sud-est. Caractériels du vol? Non, c'est parce que ça, c'est du vol. C'est vraiment le premier vol. Ouais, parce que ça, c'est premier vol. Ça pourrait être moi, en fait. Mais maintenant. C'est du vol stabilisé, ça. Hein. C'est 2016. Regarde comment ça remonte. Ouais, ça a l'air ça, stabilisé, ouais, carrément. C'est 2016. Ah oui, un vieux. Donc, bon. 2016. Ah oui, si, ouais, non, ça fait 6 ans. 8. Ça commence à 8. Bah, 2016. C'est l'année où j'ai commencé 7. Attends, non, moi, j'ai commencé en 2015. Bah ouais, bah juste après. Ça fait 9 ans. Ah ouais, putain. Donc c'est pas toi. Je dis de la merde à tout. Alors, ouais. La végétation, vous pouvez trouver encore peut-être d'autres infos. Imagine, c'est Tom's. La petite maison. Ah ouais, Tom's, ouais. Non, Tom's, c'était avant 2016. Impossible. Je dis rien. Possible, je dirais que Tom's, c'était avant. Si vous trouvez pas, je vous donne le nom de la vidéo, ça devrait vous aider. Oh, le petit roll. Ouais, donc c'est pas du stab, c'est de l'horizon, déjà. C'est de l'horizon, exactement. Le nom de la vidéo, c'est Drone FPV André Oliveras. Ah, donc ça veut dire que c'est un Espagnol. Ah, ouais. Ok, donc c'est peut-être Pablo Flo. Ouais, c'est Pablo Flo. Ah putain, c'est ouf. C'est ouf quand tu le vois voler maintenant, ouais. L'écart. Hein. Ah ouais, c'est assez dingo. On va se mettre la deuxième vidéo. On a tous fait les mêmes vidéos. Qui est un peu différente. Ah non, mais on a tous commandé, c'est pareil en fait. C'est ça. Non, maintenant, t'as vu, il y en a, ils te font quelques heures de simu et ils te sortent des trucs. Oui, mais... Première vidéo, tu te dis, ah, mais non, c'est triché, quoi. 2017. BLS Non. Oh, BLS, il a commencé avant. Ça pourrait. Toi, tu devais y être, en plus, je crois. Pablo? C'est là. Non. Il volait en bimop. C'est pas Kiki ou... C'est vrai, ou ça, c'est vrai. C'est pas Darkex? Non. Non. Non, 2017. Ouais, non, c'est 2017. Après. Non, celle-là, j'y étais pas. Tu étais pas? C'est en France? Non, c'est pas. En France, ouais. C'est un pilote français. Bon, ça vole déjà bien. Julien Letèvre. Pour l'époque, ça vole super bien. Un Julien Letèvre, un Rotoboy. Ça pourrait, mais c'est les pas. Les vieux. Duncan? Non. Est-ce qu'il continue de faire la race? Ouais. Okay. Ah oui? Moi, je connais plus personne qui mais fait la race. Mais il est pilote race uniquement. Pilote race. Ah, Trix? Ouais. Ah putain, Trix, bah oui. Alors, ah, purée. Ouais. Alors, pour info, il est venu au studio il y a pas longtemps et il nous disait qu'il faisait aussi du freestyle. Mais c'est un truc que je savais pas, moi je croyais qu'il faisait que de la race. 2017, ça vole 2017 à Nevers. Super bien. Ouais, puis sa machine, elle bouge pas, c'est à Nevers. Ouais, c'est j'avais été à Nevers, mais c'était pas cette année. Il enchaîne les tours, mais il y en a combien? C'est une 4000 millions. Je te dis, maintenant on arrive plus à faire 3 tours, les lipos suivent pas, et là ils ont fait moins 5. Drone, en plus. On va enchaîner la troisième vidéo, qui date du 24 juillet 2015. Ça ressemble à des spots de Jitrou, ça. Ouais, le spot pourrait vous aider, éventuellement. C'est bien une première vidéo de quelqu'un. Il était là, assis au... C'est la première de sa chaîne, c'est oh, pas non, si... Oh non, c'est Alexandre. Non. Quoi ah, ça pourrait, mais non. Damien Gans? Non. Non. Putain, j'ai cru que c'était le lac... C'est pas un Français, je vous aide un peu, c'est pas un Français. Ah, c'est pas un Français? Un Européen, quand même. Ça vole vachement bien pour l'époque, hein. Ouais. C'est Européen ou pas? Non. Ah oui, donc c'est, on passe à un autre continent. On passe à l'autre continent. Ok. Ah mais ce serait pas un Mister Steel. Là, c'est simple, le châssis, je l'ai vu dans l'ombre, c'est un black... Le mec qui fait de l'AS, là, qui est super fort, là... Ah, il y a un... Vanover américain. Ouais, Vanover. Ah, ça pourrait, mais... Bordeaux, il... Ouais. Non. Non, Bordeaux, il est trop... Ça devrait vous aider normalement. Johnny FPV. Putain, Johnny FPV, dans les oiseaux. Oui, je savais qu'à ce moment-là... Et le plan, il est fou, là, quand il passe au milieu des oiseaux, ouais. C'est tellement pas légal. Oui, bon. Ah ouais. Oh là 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 là. Je crois qu'à Miami, c'est un peu plus cool. Oh, des armes, la réglementation. Oh, le travail. Hey, cours. Johnny, du coup, c'était le châssis à l'époque. Bah, le châssis original du ZMR.
Parce qu'en fait, le ZDMR, tout le monde connaît parce que c'est... Il y avait une copie qui traînait, machin. Et l'original, il avait un nom, c'était Black Ash ou ce truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, Black... Et c'était... voilà, il avait le châssis original, je trouve ça fou de le voir. Quand tu, quand tu penses que ce mec-là a quand même révolutionné un peu la façon de voler avec le Zulci, c'est dingue, quoi. Ok, on revient un petit peu sur nos sujets achetés comme ça au milieu de la table. Le prochain que je vous propose, c'est... On a parlé des derniers produits qui nous ont fait un peu rêver, en tout cas qu'on fait avancer la discipline. Mieux. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le prochain produit que vous aimeriez voir. Ah, au 4 c'est soit la transmission, améliorant encore le truc. Ouais. Sinon... Pour nos drones FPV. Ouais, ou peut-être des caméras pro plus adaptées aux drones FPV, tu vois, encore... C'est à nous d'imaginer le FPV a été créé par nos besoins, en fait. Je trouve ça, du coup, intéressant de se poser la question de quoi est-ce qu'on a encore besoin maintenant, quoi. Les machines volent super bien. Ouais, c'est vrai qu'on... Attends, donne-nous 5 minutes. C'est vrai que c'est compliqué comme question. C'est compliqué, hein. En vrai, qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Plus d'autonomie, plus de distance. Ouais, sur les batteries, il y a tellement un truc à faire quand même. Parce qu'on a des batteries qui tiennent 5 minutes, 3-5 minutes. Et si on veut avoir du long temps de vol, on n'a plus accès à la grosse patate Du Lion 150C. Ouais, c'est ça. En fait, et j'ai vu qu'il y avait un truc, c'est l'hypo-FE. Lion phosphate fer. Voilà, et apparemment, ça, c'est l'entre-deux entre Lion et l'hypo. Ok. Avec des gros taux de décharge, des grandes capacités pour un même poids. C'est déjà utilisé dans la voiture RC. Ouais, ok. Donc, ça, peut-être des bonnes l'IFE qui trancheraient entre les deux, pas très lourdes, assez robuste et puis qui ont plein de capacités. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire sur les lipos. Et puis ça éviterait d'entendre toujours « Ah, bah, tu voles que 3 minutes avec ton truc ?» Ou une batterie nucléaire. Moi, mon DGI, il vole 28 minutes. C'est jusqu'où tu peux aller et combien de temps tu peux voler. Et là, quand tu dis 3 minutes, tu perds les gens, quoi. Ouais, c'est vrai. Vous avez d'autres idées de produits qui pourraient faire avancer encore un peu le truc ? Ah, ce qui serait cool, ce serait... Bah, justement, là, ce qui est en train d'être développé, là, l'espèce de petite carte, là, mais ouais... Un vrai retour HDMI du stylo 3, quoi, ce serait vraiment incroyable. Ouais. Sans avoir amené un Teradek ou un DGI transmission, vraiment un tout petit truc. Truc qui soit autonome, que tu puisses brancher à la cam et qu'on voit. Ouais. Que ce soit sur une GoPro, une Blackmagic ou quoi que ce soit, mais un petit truc, quoi, pas plus gros. En plus, avec l'USB-C, on pourrait, en termes de data, on peut le faire, genre un câble USB-C. Ce serait génial. T'as ton O3. Tu mets un câble USB-C et tu mets n'importe quelle caméra, donc que ça soit un truc débile, la caméra d'un O3 ou bien une RED V-Raptor, tu vois, tu mets ce que tu veux, même une arrive. Et qu'on ait cet entre-deux, une petite carte toute petite qui consomme rien du tout et qui fasse vraiment SDI ou HDMI vers O3 pour qu'on ait un retour solide. Et puis, s'il y a peu de latence, ça se trouve, en fait, on dégage nos cams FPV, tu vois, pour certaines utilisations. Tu volerais directement en RAID. Ouais, bah, tu voles en RAID, ce serait incroyable. Ça serait vraiment, le big change pour nous, ça serait possible. On faisait un peu, il y a quelques années, moi, j'avais un avion où c'était une GoPro et j'avais directement mon émetteur analogique derrière. Et je volais directement avec le retour vidéo de la GoPro, quoi. Il y avait un retour AV juste par l'USB, là, exact. Et c'était le top, quoi, t'avais qu'une caméra et la qualité elle était folle déjà pour mais t'as vu que comment il s'appelle Walksnail a sorti une caméra analogique alors très basse lumière avec une espèce de petit boîtier zéro luxe même c'est ça comment ils l'ont appelé je sais plus j'ai vu ça j'ai eu un peu de mal à comprendre parce que sur le boîtier c'est marqué thermal. T'as un connecteur marqué thermal, un connecteur marqué analogue je crois et y a déjà une caméra dessus qui voit zéro luxe, en fait, vraiment infrarouge, quoi. Ouais. Caméra IR. Il ne parlait pas d'IA en plus dedans. C'est ça, le boîtier, il parle d'IA et tout. C'est du marketing, j'imagine, mais ils ont donc un petit boîtier qui va convertir ce signal analogique en numérique et rentrer après dans un Walksnail pour la transmission. Okay, mais l'affiche, tu la lis, tu comprends rien. Mais c'est clair. Elle est mal foutue. J'ai l'impression que même eux, ils ne savent pas trop ce qu'ils ont fait là. Mais du coup, ils foutent. Ah non, c'est sur la Moonlight où ils ont mis un filtre ND.
Parce que la caméra voit tellement bien dans le noir que, ouais. Bah, en plein jour, elle voit plus rien. Donc, il faut lui mettre un filtre ND de base. Okay. ND64. C'est ça, c'est ND8, mais tu vois, il est, okay. Ça fait un tube. Tu l'enfonces carrément sur le ouais. Capteur. Je pense qu'il ne faut pas de rentrée de lumière, sinon le truc, il voit plus rien. Mais, okay. Incroyable. Okay. Après, il n'y a pas longtemps, j'ai volé pour une mission là, où j'étais en studio, full noir, ah ouais. Quelques lumières au milieu. Et j'avais une c'est une cam DJI grise, enfin c'est pas la Polar, Polar. J'avais la Polar Pro et j'étais mais bluffé quoi, je me en fait, tu sais, c'est le genre de lunettes, enfin de caméra où tu retires les lunettes et tu dis putain, on voit rien alors que t'étais bien dedans quoi, alors que tu vois bien, ouais. Donc je me demande est-ce que c'est encore un step au-dessus cette caméra dont, a priori là ils disent zéro luxe, hein, c'est-à-dire noir complet, hein. Oui. Il y a zéro lumière. Après, c'est la promesse. Hein, voilà. Mais là, c'est de l'infrarouge, mais c'est encore, encore autre chose. Quoi. Et est-ce que infrarouge, du coup, je suis en train de voler au milieu des montagnes, s'il n'y a pas ma petite lumière qui va tout au fond Parce qu'il y a une lumière qui... Non, justement, il n'y a pas de projecteur. Ah, ouais. C'est vraiment, elle voit dans le noir complet. Alors, okay, bon, là, l'avoir, je, mais, j'ai rien à dire. Ce qui est un peu... marqué zéro luxe, quoi. Ah, okay. Vraiment zéro lumière. Après, ce qui est un peu étrange, c'est qu'ils sortent ça en pré-release. Oui, puis c'est pas vraiment annoncé, c'est bizarre. C'est ça. La fiche, elle est pourrie. D'habitude, quand ils sortent un nouveau produit, ils m'envoient un mail en me disant voilà, on va sortir ça, machin. Ouais. Là, que dalle, ils ont fait aucune communication, aucun mec qui fait des reviews. Ils ont juste fait une pré-release comme ça à l'arrache par mail et puis ils ont fait 2-3 posts Facebook. Et bah ça. Du coup, je me suis dit mais est-ce qu'ils essayent de tester un peu le marché, voir s'il y a un nouveau interface des gens. Ouais. Ah ouais, ça se trouve, le produit n'existe même pas encore. Okay. C'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. C'est ça. Et puis avec les besoins militaires qu'on voit ces dernières années, tu te dis que voilà, peut-être qu'ils essayent de sonder un peu le truc, voir s'il n'y aurait pas un marché pour eux là-dedans. Quoi. Bah, c'est sûr. Il y a... Oui. Il y a pas... c'est sûr. On a de la demande pour des drones FPV avec caméra infrarouge qui voient dans le noir. Donc c'est sûr qu'il y a une demande. Après, à quel point, bon. Vous imaginez d'autres produits où on a fait à peu près le tour? Moi, si, des props qui font moins de bruit, avec les mêmes performances. Ah ouais. C'est surtout, et notamment sur tout ce qui est Whoop et énorme drone, il y a un boulot où, de toute manière, si tu entends le drone, ça veut dire qu'il y a des pertes, tu vois. Ouais. Donc, par exemple, tu prends un Inspire 3, ça, tu vas à 30 mètres, 40 mètres, tu l'entends quasiment pas. Tu prends nos gros 10 pouces qu'on a à nous, qu'on utilise, et tu l'entends gueuler. Donc tu sais qu'il y a de l'énergie qui part dans du son et pas dans de la propulsion. Quoi. Ouais, t'as donc, de la perte. J'ai vraiment hâte qu'il y ait un taf de fait sur les hélices. Et ce qui est assez inquiétant, je trouve, c'est que moi, je trouve qu'il y a, par exemple, HQ, il y a eu une période où ils sortaient, t'avais 5 props à l'année. Quoi. Et là, il y a eu un stop récemment, j'ai l'impression, même J'aime Fan, etc. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis moins renseigné ou si c'est juste qu'ils ont un peu stoppé tous ces trucs-là. Donc, est-ce que c'est pour une meilleure recherche et de développement, avoir un vrai produit fini pour un peu tout? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les props, ça serait bien qu'on bosse dessus, moins de bruit, plus d'efficacité. Il y avait eu un truc à un moment, ils avaient fait des hélices avec le bord de fuite cannelé. Ça faisait des petites dents sur le bord de fuite. Ah, j'ai pas vu ça. Et il y a quelques années, hein, c'était un test qu'ils avaient fait et c'était censé faire moins de bruit. Mais censé. Okay. Mais en effet, ou alors il faut des hélices avec des winglets et tout pour casser le bruit. C'est les hélices en 8 là qui sont... Ah, les fameuses, ouais, ça fait une grosse hype dessus, je suppose que c'est une grosse hype et tout, jusqu'à ce que les mecs les testent sortir et du coup jusqu'à ce qu'il y ait des tests en fait. Il y a eu les tests et c'est pas, elles se sont séparées au bout. Mais non, 8 en fait, ils se rejoignent à un endroit et cet endroit là pétait, si tu mets un coup de gaz, paf, ça s'ouvre. Donc ça perd tout son intérêt. Ouais, et puis ça, en fait, ça réduisait pas vraiment le bruit, mais ça changeait les fréquences dominantes, quoi. Ouais, okay, d'accord. Ouais. Donc bon. Oui, puis ça volait pas de fou non plus. La props doit être si lourde. Ouais, c'est comparé à nous, je me rappelle, c'est 4 grammes à peu près une props. Celle-là, elle doit être au double au moins. Donc, ouais. C'est clair. Prochain petit sujet qui pourrait être un peu vaste. Alors, je sais pas si on va rentrer beaucoup dans le détail, mais il y a toute une nouvelle réglementation là depuis le début de l'année avec des systèmes de classe sur les drones. Je vous la fais très courte, mais l'idée pour les autorités, c'est de pouvoir contrôler la dangerosité des choses, des vols. Et du coup, ils ont un système de choses que tu peux faire où tu montes en dangerosité. Et pour pouvoir monter en dangerosité et faire des choses différentes, bah, tu as le droit à des machines différentes qui sont rangées dans des catégories qu'on appelle les classes. Pour le FPV, c'est un peu particulier parce que ces classes-là,
ont des contraintes assez, un peu fortes, notamment dans certaines classes. Il faut avoir un limiteur de vitesse, ce genre de choses, pouvoir faire du geofencing et tout. Voilà. Ça peut être compliqué. En FPV, en gros, on peut voler, ceux qui n'ont pas le S3 en tout cas, peuvent voler en C0, donc avec des toutes petites machines de moins de 250 grammes, mm-hmm. ou en C4. Et en C0 limité en vitesse. Et en C0 limité en vitesse. Et C4, c'est ce qui est l'équivalent de l'Open maintenant, quoi, grossièrement. Mm. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça et qu'est-ce que vous pensez en termes d'implication sur le FPV lui-même? Toi, tu en as si, beaucoup, du coup, des implications? Si je parle côté commercial, c'est ouais. hyper compliqué. En fait, les fournisseurs chinois n'ont pas bien appréhendé le sujet et surtout veulent pas trop se lancer là-dedans parce que c'est compliqué. Alors, a priori, on pensait que le marché européen était plus important pour eux, mais finalement, ils ont... Enfin, ouais. on voit rien sortir, quoi. Ouais. Ou alors, quand on voit sortir quelque chose, c'est ni C0, ni C4. Donc, clairement, ils nous disent, nous, on s'en fout. En fait, les clients français vont commander directement en Chine. Ouais. Si ça passe la douane, Inch'Allah, tant mieux. Mais sinon... Ouais. Mais c'est l'importateur qui est responsable. C'est l'importateur qui si est responsable. Si tu vas commander en Chine, c'est toi le responsable. Oui, mais aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui, les gens qui ne payent pas la douane, etc. Tu vois, c'est la même responsabilité. En tant que particulier, tu t'en fous un petit peu, tu vois. Mais nous, en tant qu'importateur, gros importateur, forcément, on est obligé de vérifier que les drones sont conformes. Et aujourd'hui, soit les Chinois sortent rien, soit ils sortent des trucs qui ne sont pas conformes, donc on ne peut pas rentrer. Quoi. Ouais. Et nous, par exemple, pour la fabrication à l'atelier, c'est pareil, il a fallu qu'on se conforme à la législation. Pour vous dire, on y est encore. Quoi. On a encore des rendez-vous et tout pour affiner les choses parce que tout n'est pas clair et tous les intervenants ne sont pas d'accord entre eux. Ouais. Et tous les intervenants vous font des grosses factures pour vous dire comment vous faire. Oui, mais pas en disant la même chose. Quoi. Ouais. Et même la DGAC, qui va être l'organisme de contrôle de ce genre de choses, ouais. on va être contrôlé par la DGAC pour voir si nos drones sont bien CE, etc. Même eux, quand on leur demande des infos, ils nous disent « vous voyez ça avec l'Europe, c'est un sujet européen ». Donc voilà, eux ils bottent en touche parce qu'ils n'ont pas non plus toutes les billes et c'est hyper compliqué. Eux doivent pas tout comprendre non plus. C'est la Bible à chaque fois quoi. Tu c'est vois. Ultra dense. Je comprends ultra, pas. Ultra dense. Pourquoi c'est des mecs en costard dans des bureaux qui ont jamais vu un drone voler de leur vie qui font les règles. C'est toujours comme ça. C'est comme les mecs qui font les routes. Ils prennent pas de voiture. Ça me rend dingue. Ouais. En fait, nous on est hyper ouvert à ce que ça soit bien fait. Parce que de toute façon, à la fin. Qui nous interdisent ou qui nous interdisent pas, ce sera fait. Oui. Dans les règles ou pas dans les règles, c'est tout. Donc, qu'on le fasse main dans la main et qu'on arrive tous à un truc où on a quelque chose... Un truc cadré, propre, cadré, voilà. mais intelligent, quoi. Et oui, intelligent, parce qu'on ne peut pas sortir des règles du chapeau comme ils l'ont fait et dire, les gars, vous avez 2 ans pour que ça soit fait et après, on sanctionne. Sauf que quand on pose des questions, on n'a pas de réponse. Leur texte qu'ils ont écrit, c'est alors, en fait, ça dépend de ton interprétation. Si moi, je veux jouer au con, mon drone 5 pouces, il ne bouge pas et je peux très bien dire que toutes leurs règles sont déjà mises en place parce qu'il y a des magouilles à la con, tu vois. Sauf qu'en fait, eux, ils attendent d'autres projets, etc. Par exemple, il y a par exemple, la coupure moteur. Ouais. Il écrit, elles doivent être fiables. OK. Alors, donc, ça marche une fois sur 5, pour moi, c'est fiable. Ça, c'est les... Oui, ça veut dire quoi, fiable, exactement, où tu mets la barre ouais. C'est débile. Ouais. Mais le pire, ça, c'est les textes, je dirais, grand public. Parce qu'en vrai, derrière, il y a des normes qui sont éditées. Et les normes, c'est ultra précis. Par exemple, la norme pour le C4, elle est en cours de rédaction. C'est-à-dire qu'elle n'est pas terminée. Ah, c'est pas terminé encore. Oui, et cette norme-là, si tu veux la lire, il faut que tu payes. Donc, toutes les normes. En fait, juste la norme C4, si tu veux vrai. En fait, on a tous eu le document C1, C2, C3, C4 qui explique en gros. Sauf que quand tu achètes la norme vraiment pour le C4, ça te détaille tout, et en vrai, tu te rends compte que le truc C4 un peu grand public, c'est ultra flou, et quand tu rentres dans la précision, tu te rends compte que c'est très, très hardcore. En vrai, c'est très, très compliqué d'être vraiment C4. D'accord. Ça rentre dans un détail, un niveau de détail complètement fou. Et là, par contre, c'est très précis. Donc là, ils te disent, ça va être élaboré sous ce test-là. Exactement, ils te donnent, ils te donnent toutes les références des normes et tout. Par exemple, le drone pour être C4 aujourd'hui doit répondre à la norme européenne CE. En vrai, tout ce qu'on achète en Europe devrait être CE. Ouais. Avoir les normes CE. Regardez les produits grand public, c'est tout CE. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent, que les drones soient CE. Sauf que pour être CE, il faut qu'ils soient construits avec des produits CE. Donc là, les moteurs, le contrôleur de vol, tout ça, c'est CE. Le Air Unit, il est CE. Donc nous, à l'atelier, on se fait exprès de prendre que des produits CE pour être sûr d'être dans les clous. Et après,
même jusqu'au câble d'alimentation, c'est un câble silicone et tout, il faut qu'il soit testé comme quoi il résiste au feu pendant tant de temps et qu'il va dégager telle température. Les connecteurs, c'est la même chose. Les TPU, tout. C'est la même chose. Les TPU, alors en off, les TPU, ouais. Ils nous demandent que le plastique réponde à une certaine norme. Vous regarderez, c'est la UL94, il faut qu'il soit HB. C'est-à-dire qu'il met tant de temps à fondre et au point où il devient liquide, il y a un certain délai avant qu'il rentre en contact avec la peau pour brûler, etc. Ouais. Donc il faut qu'il soit résistant au feu. Et donc ton filament, tu l'achètes SenSmart, il est valide. Il est, bah, il est faut là. Que tu demandes à SenSmart. Ouais. Donc le filament que tu demandes à SenSmart, le XT60, tu demandes à Hamas, ah, ouais, les câbles, tu demandes, et tu demandes les certifs CE de chaque produit. Ou alors, s'ils n'ont pas de certif CE, il faut que toi, tu t'assures que... Tu fais un test pour voir si, en effet, il résiste bien à 200 degrés pendant 30 secondes avant de fondre, etc. Y a plein de choses comme ça. Le air unit, quand il est arrêté, il est un peu chaud. Et bah, il faut qu'on mesure la température, voir si ce n'est pas considéré comme brûlant. Sinon, il faut faire une coque entièrement pour l'enfermer pour pas que le client se brûle. C'est juste la norme sécurité, je vous parle. Je ne vous ai pas parlé de la norme ROHS, REACH. Toutes les normes anti-pollution. Donc pour qu'il soit CE. Merde, on a tous de l'étain au plomb ici. Oui, mais en fait, un taux de plomb qui doit être autorisé par rapport au poids du drone complet. Donc on a regardé, vu que tu as entre 10 et 20% de plomb dans de l'étain et que maintenant tu as 12 soudures pour brancher tes moteurs. Ouais, ça va, c'est tolérable. Et tu comptes pas l'étain qui est déjà sur le contrôleur de vol, puisque le contrôleur de vol est déjà CE. Donc ça, tu t'en occupes pas. Mais tu vois, ça rentre dans un délire. Il ne faut pas que les hélices soient coupantes, ils voudraient des hélices rondes. Ou alors, si elles sont coupantes, c'est embêtant. Il ne faut pas qu'elles tournent. Si elles sont coupantes, du coup, il faut le dire dans la notice. Attention, il faut rajouter un logo sur le drone comme quoi, attention, ça peut être coupant. Okay. Enfin, tu vois, c'est un niveau de détail. Vous avez déjà vu sur votre déo, c'est marqué ne pas fumer. Bon, bah voilà, on arrive à ce détail-là. Il faut dire aux gens, attention, mets pas un tournevis dans le contrôleur de vol, ça va faire un court-circuit. Voilà. C'est quoi c'est... En fait, j'ai l'impression. Mets pas tes doigts dans la porte, ça risque de te faire. On est le père, c'est quelqu'un qui manipule tellement, qui dit. Attention, tu vas te faire mal. On enfantilise, du coup, les utilisateurs de drones FPV, c'est complètement débile. Voilà. Ouais. Donc, t'imagines le niveau. Alors, évidemment que les Chinois, ils veulent pas rentrer là-dedans pour vendre des drones à 600 balles, tu vois. Bah ouais. Donc nous, on essaye tant bien que mal d'être dans les clous, si on se met encore à jour tous les jours, quoi. Mais je veux dire, le mec qui veut se lancer, qui fait ça tout seul dans son garage, c'est impossible, quoi. C'est impossible de coller à tout ça, quoi. Et puis là, tu parles de conception de drone. Après, faut-il, nous, par exemple, chez House of FPV, c'est moi qui construis tous les drones. Alors, j'ai pas besoin de les certifier. Non. Là, tu le fais. CE, on s'en fout. Mais il faut qu'il ait quand même toutes les caractéristiques des classes C0, C1, C2. Non, voilà, non même ça. Pas. Non, c'est privé à les builds. Là, c'est une construction à titre privé. Mais il faut qu'il tienne genre au moins le C4 ou C5. Non, juste par contre, tu peux voler qu'en A3. Oui, c'est ça. Et s'il fait moins de 250 grammes, en A0. A1. Ah oui, A1, ok. Mais vu que c'est toi qui le construis, il n'y a pas de problème. Ouais. Le problème, c'est pour les fabricants. D'ailleurs, donc en vrai, on flingue juste le marché européen. Quoi. Ouais, mais en vrai, ce que vont faire les gens, parce que si t'achètes un BNF. T'achètes un BNF qui est passé 4, tu l'achètes en Chine, tu mets un récepteur dessus, ça devient un private build. C'est flou. Ben c'est flou, mais justement, c'est flou, c'est à notre avantage. Exactement. Pour l'instant, oui, mais en vrai, quand la norme C4 sera terminée, ils disent bien que non. Ils disent que s'il y a des modifications dessus, en gros, pour l'instant, simplement, c'est pour ça que c'est flou. Non, mais même si tu fais un kit, si tu proposes juste un kit, même s'il n'y a pas le RUnit, etc., juste le fait de proposer des pièces... C'est plus du privé. Ouais, ça devient un peu compliqué, quoi. Mais un BNF que tu achètes, normalement, si tu le modifies... Comme tu le modifies, il perd sa classe et il devient privately build. Voilà. Donc en gros, tu achètes n'importe quel BNF sans classe, tu modifies et t'es tranquille. Ou même un BNF avec classe. Nous, les BNF, on les fait tous en O3 exprès parce que c'est le seul moyen qu'on soit bien certifié. Si on met un Crossfire dedans, il ne l'est plus, quoi. Donc du coup, tu achètes un BNF de l'atelier et hop, tu mets un Crossfire dedans et il n'est plus C4, mais c'est pas grave. T'as acheté, tu fais ce que tu veux. Par contre, s'il n'est plus C4, tu dois enlever l'étiquette C4. Oui. Ok. Donc ça veut dire que si on achète un BNF à l'atelier, il faut avoir la radio DJI du coup pour qu'il reste dans sa. On vend le drone seul, mais dans la notice, dans le manuel, c'est bien marqué qu'il doit être bindé avec cette radio-là, avec ces goggles-là. Okay, on fournit on est obligé de donner tout le mode d'emploi des goggles, de la radio, etc., pour que ça rentre dans le C4. En fait, pour nous, en tant qu'utilisateurs, voler avec un drone C4 ou un private bus, il n'y a pas de difficulté. Oui, Parce que tu en fais ce que tu veux derrière la machine. Oui, bien sûr. C'est juste pour le fabricant. Donc, c'est juste nous, on s'emmerde.
Et du coup, on, par contre, sur les scénarios de vol, les pilotes ne perdent pas de liberté à ce niveau-là. C'est globalement... À 3 et à 1, non. OK. Mais du coup, tu perds des choses que... Enfin, tu perds de la disponibilité sur les BNF, quoi. Disons que ça devient plus compliqué en FPV de faire de l'aglo. C'est surtout ça, la grosse différence. Ah. C'est que là, tout de suite, on n'a pas de C2. Alors, en théorie, il ne faut pas qu'on rentre trop dans le détail parce qu'on va faire deux heures, mais en théorie, à la fin de l'année, on devrait pouvoir voler en open en agglomération à des fins professionnelles. Sans diplôme. Pratique. Oui, oui. Ça devait être fait là, et en fait, avec les JO, ils ont repoussé. Mais à la fin de l'année... Sinon, c'était open bar. Voilà. À la fin de l'année, sans diplôme pratique, avec juste un théorique que tu passes en ligne, qui est le BAPD, qui n'est pas très complexe. Hein, c'est, voilà. Et de l'auto-formation, tu vas pouvoir aller voler en agglomération à des fins professionnelles. Alors, il y aura sûrement des déclarations de vol et tout ça, comme aujourd'hui. Ouais. Par contre, en agglomération, ça sera de l'A2, a priori. Et ce A2, tu as les machines qui correspondent, c'est C2. Et il faut que tu aies une limitation de vitesse, par exemple, sur la machine. Okay. Ça, on ne sait pas faire, en tout cas, pas correctement. On peut limiter l'output des moteurs, par exemple, sur Betaflight, mais ça ne te garantit pas que tu vas dépasser la vitesse. Oui. Tu prends du vent dans le dos, tu vas accélérer, tu vas dépasser la limite de vitesse. Donc, pour l'instant... Après, tu peux mettre des messages d'erreur. Enfin, tu peux régler des warnings. Donc, Il parle bien de mode de limitation de vitesse. Oui. Même limite en vitesse ascensionnelle. Oui, ça doit marcher dans tous les sens. Il ne peut pas monter à plus de tant de mètres secondes. Donc là, tout de suite... Donc, tu ne fais pas un full, quoi. On n'a pas de machines qui vont nous permettre, hors S3, de voler en agglomération, en FPV. Mais ils sont... Enfin, c'est pas réalisable, en fait. Ben non, c'est pas réalisable. Et j'en reviens à ce que tu disais. Toutes manuelles... Bah oui, mais tu perds du temps. On doit se mettre des capteurs à la con pour brider, quoi. C'est ça. Et j'en reviens à ce que tu disais, qui est... c'est des mecs en cravate qui font le boulot dans leur coin, qui font les réglementations dans leur coin. Pour moi, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de représentants. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas regroupé en syndicat, entre guillemets, en disant, on est 30 000 en France, il y a 5 000 personnes, j'ai n'importe où, qui vivent de ça, ça génère une économie de temps, donc on a un poids pour discuter avec les gens. Voire même se réunir avec les gens qui font du drone stable, et dire, voilà quelles sont nos problématiques. Ça n'existe pas. Il y a 2-3 mecs dans leur coin qui vont voir la DSGAC et qui s'y sont emballés. Je ne vise personne en particulier, mais j'ai quelqu'un en tête quand même, qui va voir la DGAC et qui dit « je représente les télépilotes », mais en vrai, on n'a pas de représentant de télépilotes. Et c'est bien le problème, d'après moi. Tout fonctionne en termes de réglementation avec les lobbyistes, quoi. L'Europe, les lois qui passent, c'est parce qu'il y a des lobbyistes qui mettent de l'argent derrière, qui ont l'influence, qui vont, qui vont dire non, mais votre truc, ça marche pas parce que d'un point de vue économique, on va perdre temps, etc. Nous, on n'a pas ça. Et du coup, on n'a pas de levier. OK. Et est-ce que du coup, ce serait pas genre de la FFAM, est-ce que ce serait pas cet asso qui devrait y aller ? J'ai l'impression, alors peut-être que je me fais une mauvaise idée, mais j'ai l'impression qu'ils ont plus un pan hobby du truc, tu vois. Et que c'est pas, ils s'encadrent pas. Oui, ça nous, en fait, ça nous représente pas d'entier. Le gros boulot de la FFAM, c'est de gérer les clubs qui eux font de la course. Ça représente en fait une toute petite partie de notre truc. Donc, il faudrait des gens voire même un comité, tu vois, de gens qui ont des profils différents, qui viennent de différentes branches du FPV et voire même du drone stabilisé, se réunir et essayer de faire un truc. Un Fred Boton, un David Savary, et puis voilà. Non, mais un mec qui a un peu de crédit. Non, mais toi, tu dis des représentants de tous les milieux du FPV. Faut des pros, faut des... C'est ça. Surtout un truc que ce ne soit pas des gens qui soient autoproclamés, quoi. Parce que ça existe déjà. Il y a des gens autoproclamés. Oui, on a eu des fédérations autoproclamées aussi. Non, mais même là, il n'y a pas longtemps, dans un... Alors, je ne dirais pas son nom, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais dans un groupe de drones stabilisés sur Facebook... Le mec dit je vais la semaine prochaine à la DGAC représenter nos intérêts. Est-ce que vous pouvez signer la pétition que je mets là, quoi ? Ok. Et mec, alors peut-être qu'il. Alors il est installé un peu dans le milieu du drone stab et tout ça. Le problème, c'est pas ça pour moi. Je dis même pas son idée est mauvaise ou son idée est bonne, c'est pas ça. C'est que tu représentes qui ? Tu as été élu par qui pour représenter les gens, quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un problème, quoi. Ouais, c'est ça. Partager des points communs, c'est pas suffisant pour être tout le monde. Et si, admettons, on veuille faire ce truc-là, comment on attaque le problème ? Parce que s'il faut créer une asso où tu réunis tous les pilotes de FPV plus les pilotes pro, du coup, c'est pareil, tu prends un peu... Il y a quelqu'un forcément... Du coup, il faut faire une élection, genre ?
De mon point de vue, ouais, tu ne peux pas être représentatif de quelque chose sans que tes pairs t'aient donné le pouvoir de le faire. Tu vois, ça me semble bizarre. Mais sinon, moi, je vais dire, je suis représentatif des mecs qui font du freestyle comme des mamies. Et puis, je vais aller. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est pas possible. Ok. Quoi. Ok, ok. Enfin, de mon point de vue, mais c'est un point de vue. Après, déjà, s'il y en a qui le font, c'est déjà cool quand même. Ouais. C'est cool qu'il y ait des gens qui aient l'énergie de le faire. Ouais, c'est ça. L'énergie, le temps, et puis. Après, parce que c'est pas un peu tard. Motive, hein. Alors, pour ça, oui. Mais s'ils n'ont pas fini d'écrire le C4, si, c'est ça. Ils sont tous Non, non, et puis de toute façon, des lois, ça se modifie, ça s'amende, oui, tu vois, voilà. Mais c'est surtout qu'on n'est pas assez structuré pour ça. Puis comme c'est européen, le problème, c'est que je pense, si on n'est que français, ils vont dire, bah les gars, cool, mais faites votre life. On a besoin de faire ça à plus grande échelle. Donc en fait, ça veut dire qu'il faudrait réunir le FPV globalement européen, quoi. Ouais. Ah, et puis il faut des chiffres pour les convaincre, ces gens-là, ils marchent aux chiffres. Quoi. Ouais. Faut leur dire, voilà, le FPV, ça génère tant de centaines de milliers ou tant de millions d'euros par an, voilà, avec des preuves à l'appui, on va dire. Ouais. Et, c'est pour ça que je pensais aussi à relier au drone stab, parce que tu augmentes tous ces chiffres-là, et puis finalement, même si on a des particularités, c'est quand même mieux d'essayer de trouver des angles communs et des sujets communs. Quoi. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Bon, voilà, c'était ma petite, mon petit côté. C'était le petit sujet touchy. Exactement. écoutez, on est pas mal sur le timing. On va finir juste par un petit truc. Un petit jeu. Allez. Je ne sais pas encore si on va le garder. Vous direz dans les coms si ça vous a branché ou pas. Ça s'appelle les tu préfères. Oula. Je vous donne des tu préfères et vous me dites ce que vous préférez. Alors, tu préfères tourner à gauche toute ta vie ou voler que en marche arrière? Je préfère voler à gauche. Je ne tourne que à gauche. Tout le monde tourne à gauche. Tu sais que Damien Gans, il s'est fait un tatouage sur le doigt pour tourner à droite. Pour tourner à droite ou à gauche. Ouais, il a une vraie flèche. Incroyable. C'est bon ça. Voilà. Incroyable. Deuxième, tu préfères voler tout seul toute ta vie ou avec des gens qui branchent n'importe quand? Avec des gens qui branchent n'importe quand. Ouais. Au moins, tu peux les engueuler, les pourrir, mais... Même, c'est drôle. Tu fais toi-même, tu branches n'importe quand. Ouais. Bah maintenant, avec les O3, c'est moins... Ouais, c'est moins un problème. C'est moins chiant. C'est tout est en automatique. Jusqu'à 3, c'est moins chiant. Ouais, c'est pas. Ou alors tu branches dès que tu mets le 4e, ça devient la merde. Ou alors tu branches au O3 et ça pourrit tous les analogiques. Ouais. Donc vas-y, moi je fais ça. Je vous en fais un ou deux derniers. Tu préfères voler toute ta vie avec des moteurs pas assez puissants ou des moteurs trop puissants? Ah, trop puissant. Trop puissant. Tant pis. Les bruits épais. Vive l'orbite. Un petit dernier. Tu préfères... Ah, ça, c'est un peu militant. Voilà. Tu préfères avoir des hélices dans le champ à chaque fois que tu voles ou éclater ta cam quand tu touches à l'avant? Hélices dans le champ. On est d'accord. Donc arrêtez de nous casser les couilles. Avec... Attends, les vrais mots pour les hélices. Du coup, j'ai pas donné une bonne réponse... Non, ce serait bien de péter des câbles, les gars. Non. Ah oui, pour toi, ouais. Évidemment, il a remis sa cravate. Mon costume, c'est pas. En vrai, évidemment, ça dépend de l'utilité qu'on a et pourquoi on utilise la machine, mais je pense que c'est bien de... Ça dépend des câbles. Ouais, ouais. Ça dépend des câbles. Ça dépend du budget. Si on part au CFPE, ça peut commencer à coûter très cher. Bon, les hélices en champ, ça va. Ouais, je trouve ça bien d'expliquer et de réexpliquer aux gens qu'avec le O3, on a ce choix-là à faire, qui est soit exposer sa cam, soit avoir des hélices dans le champ. C'est pas possible de faire différemment. Alors, parce que pour pas avoir d'hélice, il faut avoir la cam au-delà de la ligne des moteurs. Exposer ou exploser? Ah ben, si tu l'exploses, tu l'exploses. C'est pas systématique, mais... Non, mais bon. Bon, voilà pour cette première émission. C'était super. Cool, les mecs. Merci beaucoup d'être venus. Pour la petite info-histoire, on tourne 3 émissions aujourd'hui. Ceci, c'est la première. Nous, on va aller manger un truc. Et puis, on va revenir tourner 2 autres. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve très, très vite sur la chaîne. On va essayer, je dis bien essayer, suivant vos commentaires, de faire une fois par mois cette émission 360. Je vous dis à très bientôt. Ciao.